Bon, ajoutons que près de 5000 personnes ont sablé le champagne et croqué des petits fours aujourd'hui dans les jardins de l'Élysée. Admirateurs célèbres ou inconnus, ils ont tous tenté d'approcher le président pour le saluer ou tout simplement pour le voir. Michel Vial. Tradition respectée une fois encore à l'Élysée. La République avait ouvert les portes du premier de ses palais à quelques-uns de ses citoyens, de toute façon des privilégiés, en leur offrant dans la bousculade la plus chic de l'année un exceptionnel, bien qu'artificiel, moment de grâce. Pendant quelques heures, en effet, des Français anonymes et modestes se sont égayés parmi les ors et les oripeaux du pouvoir, un peu intimidés par eux, en même temps que satisfaits d'être reçus dans ce qu'ils considèrent néanmoins comme leur maison commune. Ils ont donc approché et côtoyé, mais les ont-ils vraiment rencontrés, le tout État, les représentants de la nomenclatura et de l'intelligentsia. D'où ce contraste saisissant entre deux France très différentes que seule, au fond, la commémoration de la Révolution française feint de réunir sous les lambris fastueux et austères de l'Élysée. Une ambiguïté souriante et pittoresque dont se remettra aisément la République jusqu'à l'année prochaine, tout comme le parc de l'Élysée rendu en milieu d'après-midi à sa majestueuse tranquillité.